Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au petit ballon sur l'avant-dernière étape de ce Tour de France. Aujourd'hui vous voyez, j'ai le bob, j'ai le t-shirt, j'ai l'écharpe en honneur de monsieur Thibaut Pinot. Et aujourd'hui on est du coup au virage Pinot, tout simplement avec tout le collectif Ultra Pinot, Paris en Sport, la FFL et Charlie. Aujourd'hui, sérieux Charlie bien sûr, aujourd'hui nous sommes dans ce petit ballon dans le virage Pinot. Écoutez, il est 9h20 du matin, on est parti à minuit en bus de Paris. Et puis là on est arrivé sur les alentours de 7h et depuis on a fait un petit déj tranquillement. Et puis là on va aller se placer dans le virage, on va aller commencer à supporter. Il fait pas chaud hein, je suis en t-shirt mais il fait pas chaud. Mais écoutez, on va se réchauffer comme il faut. Et puis voilà, de toute façon il y a pas mal de journalistes, il y a France TV, il y a Brut, vous verrez je pense pas mal de vidéos passer sur ce virage. Donc voilà, si vous me voyez dedans, c'est normal, le bob, j'ai zéro flox ce bob. Mais écoutez, c'est pas grave, on kiffe, il y a déjà du bruit, il y a déjà de l'ambiance dans le virage, alors qu'il est que 9h du mat. Alors je vous explique même pas comment ça va être aux alentours des 16h30, quand Pinot va passer. Et donc aujourd'hui, dernière étape de montagne de ce Tour de France, et avant de dernière étape tout court, aujourd'hui pour les pronos, bah écoutez, on va mettre Pinot. bien sûr. Mais putain, c'est déjà le bordel. Je vais vous montrer ça. La 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 la
Il est un peu plus de midi. Ah, n'importe quoi, il est 14h. Ah, mec, vraiment à la ramasse. Il est 14h, vous avez vu, je vous ai montré pas mal de vidéos. C'est le zbeul complet, c'est exceptionnel. L'ambiance de zinzin, de son, vous allez devoir passer sur Twitter, sur Insta, sur la télé, il y a France, passer sur France TV, etc., sur Eurosport. Ambiance de fou, Arthur Bichot qui régale, j'aimerais bien l'avoir. Mais j'ose pas trop l'avoir dans le vlog pour qu'il me dise quelques mots. Mais j'ose pas trop, donc je sais pas si on ira l'embêter ou quoi, après on verra bien. Mais en tout cas, truc de ouf. La famille Pinot arrive, enfin bref, les coureurs sont partis du coup. Alors, il y a deux Lotto-Destiny en tête, bon, pas Pascal, dommage. Et d'ailleurs, on va faire un petit aparté. Pascal, deuxième à Bourg-en-Bresse, les gars. Deuxième à Bourg-en-Bresse. Je vous explique même pas comment j'étais trop triste derrière mon écran que Pascal soit deuxième. Enfin bref, j'ai énorme qu'il fasse une deuxième place. Hein. Mais je pense que si j'y avais été, c'était la motivation de plus qu'il aurait fait gagner. Enfin bref, fin de la petite aparté. Là, on retourne au virage. Ça va gueuler. Alors, ils ont mis des cordelettes pour pas qu'on dépasse quand les coureurs passent, etc., quand la caravane va passer. Sinon, ça va être beaucoup trop le bordel. On va aller boire une petite bière avec modération comme d'hab. Et puis on va retourner au virage en détente.
saute pas les bâtiments. Hey, qui ne saute pas les bâtiments. Hey, qui ne saute pas les bâtiments. Actuellement, nous sommes dans les rues de Paris, nous sommes entrés. Victoire pour Tadej Pogacar aujourd'hui devant Félix Gall et Jonas Vingegaard, il me semble. Vous avez vu, je pense, ambiance de ouf, ambiance zinzin. J'ai jamais vécu ça niveau vélo. Je pense que même c'est l'événement niveau sport qui m'a procuré peut-être le plus d'émotions. Même je pense c'est sûr. Parce que c'était assez fou de le voir passer en fait seul en tête, genre c'était imaginable, mais c'était inimaginable en même temps. Oula, un peu dur les mots à cette heure-ci. Enfin bref, vous m'avez compris, dommage, pas de victoire malheureusement, même si on y a cru, vous avez vu tous les champs et tout, normalement c'est un truc de ouf. Je sais pas si ça retranscrit pareil à la cam ou pas, j'espère, ça serait lourd. Mais en tout cas, vraiment un truc de zinzin niveau émotion, tout ce que vous voulez, c'était compliqué, c'est compliqué à dire. Mais voilà, merci Thibaut pour la carrière, ça bouge pas pour la carrière de zinzin. Et puis voilà, écoutez, nous ça va être la fin du Tour de France, voilà. Là il reste une étape qui est bientôt dans la journée, vu qu'il est déjà 4h du mat, on va aller se reposer tranquillement en attendant l'étape. Bien sûr, bon, les champs, il n'y aura pas grand chose à voir forcément, vous vous en doutez, puisque c'est pas l'étape la plus intéressante à voir.
Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire sur cette étape-là, sur cette 20e étape du Tour de France et notre 12e à nous. Mais ouais, c'était très très lourd. Merci à tous encore une fois. Et merci à l'organisation, donc merci Paris Entreport, merci FFL, merci Collectif Trapino, merci Charlie pour l'orga qui était assez folle. On espère qu'il y aura d'autres événements comme ça. Bon, malheureusement, sur mon plus beau Pinot, hormis peut-être Lombardie. Mais voilà, après, faut pas que ce soit en one shot, forcément des genres de virages comme ça et tout. Qu'il y en ait pour plusieurs coureurs et tout. Bon, après, ça reste un truc de ouf parce que là, c'était de la retraite et tout. Sacré dinguerie. Bon, après, il n'y a pas que lui qui parle à la retraite, hein, parce que là, on perd beaucoup de monde. Hein. On perd du Peter Sagan, on perd du Marc Cavendish, Thibaut Pinot, Tony Galopin. Et j'en oublie peut-être qui font leur dernier Tour de France, qui ont été des légendes, hein, bah, qui ont porté tous des maillots distinctifs, etc. Gagné des victoires d'étape tous. Enfin bref, sacré dinguerie. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je pense pas que ce vlog, du coup, j'aurai le temps de le monter. Sauf si je me chauffe, pas de repos et je le monte maintenant. Ce qui n'est pas impossible. Mais je ne vous promets rien. Bah, de toute façon, dans tous les cas, alors vous le voyez, de toute façon, vous savez très bien. On pente aussi, j'ai filmé comme de la zèbre au passage de Pinot, désolé. Mais là, c'était les émotions qui ont pris le dessus. Parce qu'en fait, en plus, on savait rien à la course, en fait. On ne savait rien à la course, donc on ne savait pas. Enfin, on savait qu'il était en échappé. On n'avait aucune idée qu'il était tout seul. Genre vraiment strictement aucune idée qu'il était tout seul. Et là, du coup, c'était du pur kiff. Enfin bref, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis merci à tous de suivre encore une fois. Sur le dernier vlog, il y a eu encore énormément de vues, énormément de pouces bleus. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, commentaires, tout ça. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Tchuss !